J'en ai marre de tenir la caméra. Le foyer Palace. Et là, il y a le balcon. Marina, vas-y, explique-nous un petit peu ce qui se passe ici au foyer Palace. Alors, écoute, ici au foyer Palace, les gens patientent jusqu'à 19h30 ou 14h30 avant d'accéder en salle. Si le spectacle est à 20h ou 15h. Ouais, parce que patient jusqu'à 19h30, 14h30, c'était bizarre cette phrase. Des réceptions avec du champagne, du petit four, des cocktails. Fais un soupçon sur les lustres. Fais ce que je veux. Alors allons voir les foyers opéra. Il y a un foyer opéra. Tout est ouvert. Jolie. Oui, merci. Est-ce que vous connaissez l'histoire du théâtre? Non. Alexandre. Le théâtre Mondador a été ouvert en 1919 par Alfred Butt, qui était un impresario londonien, qui était très amoureux d'une danseuse de revue qui s'appelle Régine Fleury, et on est dans son salon ici. Dans son salon, elle avait sa maison. En gros, il y avait sa maison ici, il avait la chambre là, et genre le salon ici, c'était un grand deux pièces. Il y avait peut-être l'arme de Régine qui se balade. Oh, non, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. On a des toilettes pour les personnes en fauteuil. Très bien, parce qu'il y a un accueil. Alors là, maintenant, on arrête de rigoler deux secondes. Il y a un accueil PMR. Tout à fait. Voilà. Qui est disponible au théâtre. L'orchestre, donc le rez-de-chaussée, est totalement accessible pour les personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est sympa. Et voilà. Ça, c'est cool. Alors, c'était la minute sans déconne. Maintenant, on repart en déconne. Et du coup, je vais vous laisser, mais enfin, j'ai passé. On se retrouve au foyer Mugador. Ça vous va ou pas? Moi? C'est moi, foyer Mugador. Ok, à tout. Merci, à tout à l'heure. Ouais. Sympa, Nina. Ouais, elle est cool, hein. Bon bah ça y est, maintenant on est tout seul. Ouais. On va se débrouiller comme des chefs et on va au foyer Mogador. Ouais, on retrouve Nina là-bas. Attends, non, je crois pas que ce soit là. Non, mais au foyer. Ça fait 40 minutes qu'on cherche ce foyer Mogador. Non mais Alexandre, on est à la bourre là en plus. Tu veux du coca? Non, toujours pas. Je suis fatigué, j'en veux plus. J'ai mal aux jambes. Tu veux du coca? Ah, je sais. Cyrano? Non, c'est pas. Il est pas. Non, mais c'est une blague. Ah! Ah bah, hein, c'est une blague. Bah, c'est toi la blague, t'étais où? Il est où ce foyer Mugador? Bah, là-bas, enfin. On a fait le tour exprès pour que vous sachiez. Non, mais à un moment donné, faut écouter aussi, les gars. Ah oui. Ah non mais d'accord, bah alors tu nous dis le hall. Tu sais le coca c'était là. Il se ressemble les bars mais c'était là. C'était là. Ça vous a plu? Ouais, plutôt. C'était c'est simple. Après, je te cache pas que 4 heures pour faire cette vidéo, c'est beaucoup. Ouais mais il y a tellement de choses à raconter. C'est vrai. Et puis. À cause d'Alexis, on a quand même perdu une heure à retrouver le foyer Mogador. Ouais.